Bonjour, je suis Mademoiselle Gano, je vis à Abidjan, je suis ivoirienne, je suis esthéticienne de profession. Alors j'ai choisi d'ouvrir à Casablanca parce que le Maroc c'est mon pays de cœur, voilà, c'est mon deuxième pays après la Côte d'Ivoire. Et parce que aussi j'ai vécu plus ou moins de façon continue pendant 6 ans à Casablanca. Donc j'aime Casablanca et quand le choix d'ouvrir, d'étendre mon activité s'est présenté, ça a été la première ville que j'ai choisie naturellement. Voilà. Alors l'INJI Institut à Abidjan est un institut de beauté qui fait donc tout ce qui est soins capillaires, soins de corps, massage, en tout cas tout pour la beauté et le bien-être. Alors en tant que femme entrepreneur en Côte d'Ivoire, j'ai pas réellement un problème parce que mon pays est assez ouvert. Sauf que le problème, c'est situé au niveau de l'âge. Et chez nous, en fait, les plus jeunes sont généralement un peu matérialisés. Donc, avec tes idéaux, quand tu viens et que tu vas apporter un certain changement, tout le monde ne suit pas forcément. En tant qu'entrepreneur, ce que je peux dire, c'est que tout ce qui veut se lancer, la somme de beaucoup de courage, parce que l'entreprise n'est pas facile. Vous avez des personnes sous votre responsabilité, vous avez beaucoup de factures à payer chaque fin du mois, et les autres ne porteront pas toujours vos rêves comme vous. Donc, il peut arriver parfois que vous ayez beaucoup de frustration, beaucoup de stress, et payer le prix par amour pour ce qu'on veut faire, jusqu'à ce que son rêve prenne forme. C'est d'accepter les frustrations, c'est d'accepter parfois l'échec, pouvoir reculer, se relancer, et puis de toujours, toujours rêver plus grand, ne pas être limité par rapport à son environnement, mais aller toujours au-delà des limites que les autres voudront vous poser. Voilà, c'est mon conseil du jour.